Hi, everybody. Sean Woodland inside the CrossFit Update studios. The Meridian Regional gets started June 1st in Madrid, Spain. It has a host of international participants. And here to help us break down the French contingency is our French regional correspondent, Miriam O'Kell. Miriam, thank you so much for being here today. Thank you very much. Merci. Let's start with Willie Georges. That's a name that we heard a lot during the Open. Pourquoi pensez-vous qu'il a chance de faire CrossFit Games Willy Georges est, est, est un nom qu'on a beaucoup entendu lors de, de l'Open, puisque c'est le premier français à atteindre la troisième place de ce leaderboard mondial. Euh, mais en France, on, on connaît surtout Willy Georges parce que c'est un, un jeune athlète, un jeune athlète de 25 ans qui a un passif de sportif de haut niveau, en rugby, euh, aussi en athlétisme. Mais c'est aussi un athlète qui, dès lors de sa première participation aux Open en 2016, s'est tout de suite placé dans le top 500 mondial il a travaillé et l'année d'après il s'est qualifié aux régionaux en individuel donc c'est un athlète qui est reconnu pour son travail qui est apprécié par la communauté qui sera supporté en nombre par, par les français. there are six french women competing at the meridian regional who do you think has the best chance to get to the crossfit games. Cette, cette question est, est, est importante parce que du coup, elle fait appel à l'expérience de, de, de ces Françaises lors de la compétition aux régionaux. Euh, on a d'une part des, des Françaises qui sont expérimentées, euh, comme Tina Moglin qui a participé l'année dernière aux, aux régionaux en individuel, mais on a aussi Carole Castellani, Jessica Vetter qui ont participé en 2016 aux régionaux. Ça peut créer une différence. Euh, de l'autre côté, on a Anne-Claire Dreyfus. Euh, C'est elle le leader de, de ces Françaises euh, lors de l'Open. Et euh, du coup, on va voir si elle peut créer et confirmer sa, sa place de leader lors de ces régionaux. Donc, si on parle de l'expérience que, que peuvent avoir cumulé ces filles, Tina Meuglin a vraiment sa chance d'être qualifiée aux Games. Euh, mais on a aussi une, une athlète comme Carole Castellani qui peut aussi créer la surprise. There are eight French teams who are competing at the regionals in Madrid. Who are a couple that you think might be able to get themselves onto the podium at the end of the competition? On a huit équipes qui sont qualifiées cette année aux régionaux. On a cinq équipes qui se plaçaient dans, notre, dans le top de notre région, dans le top 10 de notre région. Euh, Aujourd'hui, on a trois équipes réellement qui ont cette expérience dans, dans ces régionaux. On a tout d'abord CrossFit Galileo qui s'est qualifié en équipe en 2015 et en 2016. En 2016, cette équipe a atteint la huitième place, qui est placée vraiment tout près de la qualification des Games à cette époque. On a euh, de l'autre côté Tech Control. Et CrossFit Tech Control, c'est une, une équipe composée de Compétiteurs aguerris. Euh, ils ont une athlète, euh, Roséliane Belmar, qui a participé aux Jeux olympiques de gymnastique en 2008. Donc, ils ont cet atout d'expérience de compétiteur. Juste derrière eux, on a CrossFit Lyon. Crossfit Lyon, il faut le rappeler, c'est une des premières boxes françaises. Et c'est une équipe qui, euh, qui se présente soudée, une équipe qui euh, aime travailler ensemble, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une équipe qui, est, qui a un grand nombre de supporters. On se souvient encore des Mariénaires blanches et bleues en 2016 dans le stade à Madrid. Donc, si on parle de statistiques... Crossfit Galileo a vraiment toutes ses chances de monter sur le podium des Crossfit Games, mais il ne faut pas négliger Crossfit Lyon, qui aujourd'hui a une équipe soudée et expérimentée lors des régionaux, qui pourrait aussi monter sur le podium. And finally, Miriam, what would it mean to the Crossfit community in France to send an athlete or a team to the Crossfit Games? Qualifier une équipe euh, au CrossFit Games serait une équipe ou un individuel au CrossFit Games cette année serait tout d'abord une, une vraie fierté, puisque déjà il y a deux ans, on a fait monter un, un master sur le podium au CrossFit Games. L'année dernière, trois masters aussi ont participé au CrossFit Games et c'était déjà une, une véritable fierté. Euh, cette année, euh, au-delà de, de cette fierté, ce serait un réel symbole du développement de CrossFit en France. On peut voir qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a plus de 400 boxes qui sont ouvertes et le niveau des athlètes a sérieusement augmenté. Donc aujourd'hui, les Games, c'est désormais pour la France, ce n'est plus un rêve, mais un réel objectif atteignable. Tout le travail accompli par nos athlètes français est une réelle fierté et quelque chose de très positif pour notre communauté française. Miriam, thank you so much for taking the time to do this for us. We, we really appreciate it and we look forward to seeing you at the Meridian Regional as you track all of the French athletes for the French CrossFit community. Thank you. Miriam O'Kell, our French regional correspondent. The Meridian Regional gets going June 1st in Madrid, Spain.